fuck out! Motherfucker! Boom! Yo! The Mafia! Oh, 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 BOOM! Vous n'avez pas compris que vous ne pouvez rien faire? Les guerriers ont engagé le combat. Ils ont du mal à comprendre qu'ils peuvent pas. J'ai même plus besoin de mon truc de défense. Ma force militaire est beaucoup trop puissante. Même si le truc de défense. Thermolance. Tellement OP la thermolance, mon dieu. Voilà, ménage terminé. Vous m'en refaites deux. Vous m'en refaites un. Oh oui. Oh, des Black Templars. Amélioration terminée. Les Black Templars, c'est perma invisible, ce qui est complètement OP. Et je vais les envoyer assassiner. Pourrir les réseaux de ravitaillement. Là, je vais commencer ma petite mission d'assassin un peu là. Vous allez voir, c'est stylé. Par contre, toi, tu vas trouver. Tu vas en faire un. Mais regarde-moi ça, comment ils en chient! Oh! Toi t'as plus de vie, mais d'une façon. Guidez-nous. Toi t'as 4 PV quoi. Colosse, tu vas mourir. Je t'annonce, tu vas pas tenir la prochaine bataille. Sérieusement. Eh mais ce rayon du purificateur, s'il te plaît. Le rayon du purificateur, ça fait un peu craquer quand même. Bouclier proto, allez, vas-y, améliore-moi tout. Tempête psionique, ça sert à rien. Transfert, ça sert à rien. Pulseur réacteur antigras, ça sert à rien. Pulsion mnémonique, ça sert à rien. Voilà, j'ai amélioré ce qu'il me faut. Hein. Ah oui, des pylônes. Amélioration. Peut-être terminée. Que je me transfère des pylônes. Ouais, bah, il va falloir beaucoup plus de monde là. Ah non, attends. Toi. Geyser de gaz Vespen épuisé. Il faut position. Geyser de gaz Vespen épuisé. Comment ça, geyser de gaz Vespen épuisé? Jamais de Vespen épuisé. Voilà. Bon allez, j'en ai marre de faire que de me défendre. On va les péter. On va leur péter la gueule. Et je vais le laisser me refaire un petit peu de canon. Oh les pauvres, ils n'ont que ça à m'envoyer. C'est bien mignon d'envoyer une force armée, mais regardez le temps qu'elle résiste. Elles font, ils sont en train de fondre. À quoi ça sert que vous m'envoyez une armée? Ça sert à quoi? Ça sert à me faire baisser mes IPS, c'est ça? Ah bah pour ça vous avez réussi, hein. Y a pas de problème. D'ailleurs pourquoi j'ai aussi peu d'IPS? On m'expliquait tout à l'heure, j'étais à 40. Bon, bah vas-y canon. Canon à photon. Construisez des pylônes, je sais. Je sais qu'il faut que j'en fasse, c'est bon. Oh, c'est pas chier. Je sors de l'ombre. Mais je ne m'intéresse pas, moi je veux des canons. Attends. On va pas faire le con. Tac. Tac. Amélioration terminée. Oh, ils sont en train de s'expandre jusqu'ici.
fous, des connards. Moi, je m'en fous, mes canons à photons vont leur péter la gueule. Merde, non, ils auront même pas le temps d'être invoqués. Défaillance oh, du système de défense. Bon, ça défaillance du système de défense. Ah, non, tu crèves pas. Hein. Tu crèves pas, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eux. C'est vrai qu'il y a vous. Enfin, qu'il y a eux, quoi. J'avais oublié. Les ténèbres s'agitent. Jaco, vous réclamez notre coup. Renforcement du... La victoire, nous sommes prêts. Vous allez rester là. Vous allez rester là, parce qu'il faut pas déconner. Toi, tac. Ça produit, et ça produit. Oui, ça produit, mais il n'y a plus de pylône. Encore. Encore, bah tiens. Pouf. Geyser de gaz Vespen épuisé. Je sais pas ce que ça fait, je sais pas si c'est un champ de régénération, je ne sais pas. Il manque les bâtiments proches, c'est tout. C'est tout ce que ça fait. Ah bah attendez, là. On va faire un truc un peu classe. On va faire un truc un peu classe. C'est que ces connards arrivent ici. Ici, je vais faire une place forte, comme ça ils passeront jamais. Voilà. Ensuite tu vas me refaire des canons. Je sors de l'ombre. De toute façon, la vitesse que ça monte, c'est quand même. Je produis vite, j'ai du monde. Champ de minerai. Je peux me le permettre. Je pourrais tenir. Votre base est d'amélioration terminée. La peur est une illusion. Je vais obéir. Tiens, tu vas aller vérifier. Katoum. Qu'il y a rien ici. Je suis la lame de Jaco. Il y a quelque chose, tu le claques. Voilà. Ensuite, oui, c'est vrai que c'est détecteur, ça, et non? Tous ne font qu'un. Je pourrais tenir. Nous attendons l'appel. Porte-neuf en position. Porte-neuf en position. Ce sont les one-shot. Qu'est-ce qu'ils en foutent? Oui, les one-shot pas. Bon, c'était pas très worth it, je sais. Ça l'est beaucoup plus, bizarrement. Exterminate! Exterminate! C'est pas possible, quoi. C'est vraiment trop puissant, les colosses. Non, pourquoi vous faites ça? Non, pas, ça sert à rien, ça les porte neuf. Des colosses. Plus de colosses. Non, mais oh, l'armée reste ici. Alors attends, canon ici, pylône. Pylône là. Trois, voilà. Oui, j'essaie de faire une base jolie. C'est complètement con,
pas ça. J'aime bien avoir des jolies bases. Tac, 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 tac. Voilà, c'est bon. Si j'ai bien calculé, ça devrait passer. En sachant que je suis nul en maths. Oh punaise. Et quand je bouge mon armée, je perds 25 IPS, s'il te plaît. C'est pas permis. Elle est vraiment trop grosse. Puis on va faire un camp imprenable. Apprenez à construire les structures défensives les plus puissantes de la galaxie. Geyser de gaz Vespen épuisé. Voilà. Champ de minerais épuisé. Champ de minerai épuisé. Bon, bah écoutez, maintenant qu'on a une armée, une vraie, on va aller péter la gueule à ces machins. Attention, les scènes qui vont suivre sont très violentes et comportent des ralentissements complètement OP du fait que mon PC a vraiment du mal à suivre avec ce jeu. Donc, je vous prie de ne pas flame pour... Enfin, de ne pas trash talk dans les commentaires pour ce qui s'est... à propos de la baisse d'IPS. Par contre, vous pouvez regarder jusqu'au bout si vous aimez le massacre gratuit. Parce que là, bordel, vous allez en avoir. Alors, franchement, c'est incroyable. En avant. Nous attendons. Oh, vous seriez pas monté par là, vous, j'espère. Résolument. Nous sommes en péril. Comment ça? Comment ça en péril? Tiens, écrasez-les! Exécution. Écrasez-moi ces monstres. Allez, allez, y'a rien ici. Nous approuvons. Non, c'est bon. Directive confirmée. J'aime bien, je peux passer par ici. Je peux passer par ici, c'est mode raccourci. Par le cœur d'ailleurs. Ok, ils y sont pas, ils sont tout au bout. Andy Berakai. Rono Hashi. Ils sont là, à mon avis. Chargement des ordres. Oh, ils ont essayé de s'expandre. Rono Hashi. Exécution. Ils ont commencé à expandre. Andy Berakai. Là. Directive confirmée. Donc, on explose. Allez, lavez-moi tout ça. C'est mignon. C'est mignon. Allez. Oh, ils ont essayé de m'envoyer de la résistance. J'adore le nombre de petits vaisseaux. En fait, je crois que c'est les petits vaisseaux qui font laguer tout. C'est les petits vaisseaux, le fait qu'ils arrêtent pas de passer en invisible et tout ça. C'est tout ça qui fait laguer. Allez, exterminez-moi tout. Exterminez-moi absolument tout. Tenez, vous allez marcher jusqu'ici. Votre ordinateur ralentit le jeu. Alors, c'est pas mon ordinateur qui a ralenti le jeu, c'est le jeu qui a ralenti tout seul par mon ordinateur. Les guerriers ont engagé le combat. Allez-y, avancez. Avancez, tout ce que vous voyez sur votre chemin, butez-le. D'où ils ont une portée de vision sur ça? Ah oui, ça arrive, ils peuvent monter les falaises, donc ils ont la portée de vision. Allez hop, laissez tomber pour me faire des unités puissantes. C'est mort. Pendant ce temps-là, à la base, Colosse, qu'est-ce que tu fais? À la guerre, tout de suite. Voyons.
Voilà, plein de colosses. Je m'en fous des limites de ravitaillement. Il n'y en a pas un qui peut mourir. Voilà, c'est plein. C'est bon. On dirait des vaches. Ça, c'est les vaches. Ça, c'est les vaches, en fait, chez les protos. C'est juste des vaches. Au secours, qu'est-ce qui se passe, Dans les vaisseaux, on a l'impression qu'ils attaquent pas, mais c'est parce que c'est pas eux qui attaquent. C'est tous leurs petits merdiers qui attaquent. Oh, des vipères! Dieu, les vipères! On continue, on pète la gueule. Oh, bonjour. C'est gentil de me rendre visite. Il n'y a plus personne. Voilà. Je vous ai dit, continuez jusqu'ici. Même si, à mon avis, ils sont pas. Je vous dis pas que c'est celui à 4 PV. Vos guerriers ont engagé le combat. Mon vaisseau mère est en maître. Je lui perds pas de points. Oh, ça canarde les petits vaisseaux, t'es sérieux? Ah, c'est vrai que j'avais oublié qu'on peut les attaquer. On peut pas les sélectionner, mais on peut les attaquer quand on est en... J'avais oublié ce détail. Oh. Allez, on continue. Oh, bah c'est très bien. Oui, c'est vrai qu'il fallait être cible là par les pilotes aériennes. J'ai oublié ce détail. Allez, puis vous continuez. Vos guerriers ont engagé le combat. Non, d'abord jusque là. Par le cœur d'Albion. Allez-y, pêchez, détruisez. Toute l'armée ici attaquée. Maintenant. Champ de minerais épuisé. Vos guerriers ont engagé le combat. Ça produit, ça va très très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Vos guerriers ont engagé le combat. Comment ça? Pourquoi vous voulez plus travailler? Voilà. Vos guerriers ont engagé le combat. La la la, ça se passe très bien, je suis en train de laver mes ennemis. Vos guerriers ont engagé le combat. C'est fantastique, ce jeu est fantastique. Fantastique, absolutely fantastique. Vos guerriers ont engagé le combat. De toute façon, ils ne reconstruiront pas de base là où il n'y a pas de ressources. Un petit, quelques coups de thermolance et voilà, c'est réglé. Vos guerriers ont engagé le combat. Du peuple ici, c'est qu'ils essaient d'opposer une résistance, non mais oh. C'est qu'ils seraient méchants. C'est qu'ils essaient de se révolter, ça c'est beau, une station. Un spatioport volant. Pratique à construire. C'est bon, messieurs les adolescents, on a fini la crise d'adolescents. N'empêche, je voudrais bien être un pilote de ces petits vaisseaux, s'il y a des pilotes. Que ça doit être tellement, mais tellement le bordel. Quand t'es une armada de 8 vaisseaux comme ça qui part à l'assaut, ça doit être le bordel. Directive confirmée. Résolument. C'est bon, il n'y a plus rien par là. Bon. Champ de minerai épuisé. Vous allez reprendre le lavage par ici. Continuez en volant, vous trouverez bien des gens. Vous trouverez bien des gens à buter. Andy Berakai. Guidez-nous. Toute l'armée se rend ici, voilà. Et tout ce que vous voyez sur votre chemin, bah écrasez-le, hein, écoutez. Pétez-lui la gueule. Ce vaisseau est lent. Franchement, il est lent. Il est beau, mais il est lent. Wow. What the fuck? Oh! Ah! Encore une petite base. Ah, ils ont tenté de se reconstruire, ces enfoirés. Que je pète tout pour réussir à les battre. Pour l'instant, ils veulent pas se rendre. Hein. Ils pensent encore qu'ils ont une chance. C'est des malades. C'est des fous. Ils ont fait des armées et tout. Plastique.
C'est en mousse leur truc. La vitesse que je les éclate, allez. Par contre, ouais, cette armada va l'air vachement puissante, hein, niveau force de frappe. Ouais, pas manqué. Oh punaise. Oh, ça va. En fait, c'est, ça fait moins de masse d'IPS de regarder ces crétins. Un aquelel. Oh non, mais ils sont ridicules là. Là, tous les colosses viennent de perdre complètement leur swag. C'est non, oh, c'est chiant. C'est un beau intermolant, enfin. Ça a quand même beaucoup de portée. Champ de minerai épuisé. Par contre, j'aime bien à chaque fois qu'ils attaquent, ils avancent la tête, c'est en mode. C'est plus gueule. Voilà. Cette vidéo sera très très longue. Apparemment. Directive confirmée. Vos guerriers ont engagé le combat. Je crois que c'est leur dernier nid de résistance. Les derniers nids de résistance sont là. On extermine tout ça et devrait nous laisser tranquille. Oh mon dieu, j'ai tellement l'impression d'être un psychopathe quand je fais ça. Non, je sais pas. Je vais encore essayer de t'exterminer un peu plus et puis. Voilà. On va tous les deux capituler. Bon, on va. Je sais pas si on leur fait l'honneur de la capitulation. Non, on va pas leur faire la capitulation. On va y aller à fond comme des gros malades. Exploser tout. Hein. Ah bah là, ils vont construire une base. Bon, vous allez aller jusque là. Ouais. Je crois que j'ai déniché le dernier nid. J'ai déniché le dernier nid de résistance. Je les éclate. Je les éclate et on en aura fini avec cette partie et avec l'extermination des serres. Ah, ils sont expand. Je l'avais prédit, hein. Ils sont expand à n'importe quel endroit où il y avait un petit peu de minerais et tout ça. Ils sont mis partout. Ils se greffent partout, c'est merde. Je l'ai pas eu. Nous approuvons. Passons cette leur dernier camp. Chargement des ordres. Ils ont été là? Non. Je vais être obligé de refaire une coupure. Renault haché. Bon ben, recoupure. Résolument. Je crois que ce coup-ci c'est bon. Directive. Voilà, normalement, c'est bon. Nous approuvons. C'est leur dernier bastion. Renault, leur dernier truc de construction et j'avais pas vérifié qu'ils en avaient reconstruit en fait. À mon avis, ils en ont construit pas là et enfin ils en ont construit un là. À mon avis, peut-être que exécution. Chargement des ordres. C'est-à-dire on voit toutes ces unités. Renault haché par le cœur d'ailleurs. Bah merde. Fais chier. Fais chier. Je vais poster les unités à tous les trucs de reconstruction, je verrai bien. Je reviens. La voilà la dernière merde qui restait. Ça. Ce petit truc. C'est ça qui m'a empêché de gagner et qui fait que cette vidéo va durer des plombes. Bon. Et ben voilà. On les a écrasés ces crétins de Zerg. Il suffisait de prendre la race qui correspond. Parce que contre la vermine... Qu'y a-t-il de mieux que le feu? Ah, il faut se dire, en fait, les Terranes sont bien contre les ergs, mais à bas niveau de partie. Parce que les Terranes, bah, ils ont leur lance-flamme et tout ça, c'est pas mal. Surnombre 2 IA moyenne. Oh là là, mon dieu, j'ai combattu 2 IA moyenne. Oh là là. Je sais pas si je peux en faire 4 la prochaine fois. Mais oui, je disais, ils sont relativement puissants contre des groupes armés...
Putain, contre des groupes armés de type faible, t'sais, le petit Zergling et tout ça. Par contre, dès qu'ils nous sortent des seigneurs vermines et puis des ultralisques, les Terrans sont un petit peu dépassés par les événements. Parce que, bon, un Thor c'est puissant, mais bon, je crois que ça tient quand même pas un ultralisque, je pense. Surtout au corps à corps. Je pense que l'ultralisque est peut-être moins résistant, mais il tape plus vite. Le Thor tape plus lentement. Par contre, je sais pas s'il tape plus fort. Je pense que oui. Je pense que oui, les Lamkaiser sont plutôt contre les... sont plus contre... Enfin, sont pas faits contre les blindés. De toute façon, ils ont pas vraiment de trucs faits contre les blindés. Hein. Les airs, ils savent pas ce que c'est que le blindage. Donc, ils ont pas grand-chose contre les blindés. Donc voilà, après peut-être que je me trompe, mais bon, pour moi, les Zergs n'ont pas grand-chose contre blindés, vous pourrez en parler dans les commentaires, allez-y, ça m'instruira. Mais bon, c'est vrai que ils sont quand même plus puissants, eux, parce que bah, déjà, ils ont la thermolance des colosses, s'il te plaît. Les moindres Zerglings qui arrivent, ils sont direct des pop. Mais en plus de ça, ils gardent une puissance de feu assez dévastatrice contre des unités plus fortes. Parce que bah, déjà, ils ont les porte-nefs. Voilà quoi, leur cuirassé de guerre à eux quoi, ils sont vraiment très très puissants contre n'importe quelle unité. Seigneur Vermine, ok, il en envoie deux et qui vivent longtemps, mais il se fait dépasser par les 8 petits vaisseaux, largement. Et alors en plus il peut pas attaquer les aériens, donc c'est mort. Et puis même chose pour le... comment que ça s'appelle? Pour l'ultralisque, hein, il se fait dépasser par tous les trucs aériens. Bon, par contre une vidéo d'1h19, ça me fait un peu chier, donc je pense que je la raccourcirai. Donc vous aurez certainement la version raccourcie. Ou alors je mettrai la full version, fait que la police. Bon, allez, sur ce, tech. Sur ce, salut à tous, et à la prochaine. Allez.